Hey, salut les loulous, comment ça va-t-il bien tout le monde les gens? Je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer mes créations du mois de juin. Après une longue pause, ça fait une semaine que je n'ai pas mis les pieds sur YouTube, à part pour regarder certaines de vos vidéos à vous, mais sur ma chaîne à moi, j'ai pas remis les pieds depuis un moment. Je me suis fait une petite pause, voilà. Des fois, ça arrive. Bref, on s'en fout. Alors, je me suis mise en face de la fenêtre parce que vu que le temps il est pourri et la luminosité c'est de la merdouille, là j'espère que ça va aller. Alors, du coup je suis assise par terre comme une cloche. Mais c'est pas grave, on s'en fout, laisse tomber. On va pas commencer à dire n'importe quoi. Donc ouais, je vais vous montrer mes créations du mois de juin. Mais il y en a plein que je n'ai plus. Mais je suis peut-être blonde, hein, mais j'ai pensé à vous filmer tout ça avant de ne plus les avoir. J'espère que vous avez compris. En fait non, parce qu'il y a eu la fête des pères, il y a aussi la fête de fin d'année, donc les maîtresses ont eu le droit à des cadeaux, il y a l'anniversaire de ma fille qui a fêté ses 6 ans, donc du coup j'ai fait des cadeaux à ses copines et aussi aux mamans. Donc tout ça, tous ces petits trucs là, ben, je ne les ai plus, mais j'ai pensé à vous filmer avant pour vous montrer. Donc le premier, c'est un petit collier que ma voisine, qui habite par là-haut, m'a commandé. C'est aussi une maman et nos deux filles sont dans la même classe. Bref, voilà le mot de petit. Donc elle m'a commandé, en fait elle avait trouvé un collier sur ma boutique qui était trop beau, mais elle aimait pas la couleur parce qu'elle est chiante. Mais j'en profite, je sais qu'elle regarde les vidéos, donc je te le dis, t'es chiante. Elle va m'engueuler lundi. Bref, donc voilà, je lui ai fait celui-là en violet comme elle le voulait. Donc ensuite là c'était une petite commande spéciale, c'est une très vieille amie à moi, on s'est rencontrés, on s'est connus au CP, donc ça date, hein. Donc en fait, elle voulait faire un cadeau de fête d'année pour les maîtresses de sa fille. Il y a un maître et une maîtresse, mais bon on va dire maîtresse, c'est plus rapide. Donc en fait elle voulait que je les représente en personnage, quoi, que je fasse les personnages des deux maîtresses. Ouais. Tu me compliques la vie, toi. Les personnages, ça fait une éternité que j'en avais pas fait. Comment j'ai galéré, je vous raconte même pas. Du coup, bah ça... J'ai fait au mieux que j'ai pu, mais bon, c'est plus des caricatures que à l'identique, quoi. Hein, voilà. Ensuite, j'ai ma petite voisine qui est partie en vacances et elle m'a laissé ses clés de l'appartement pour que je m'occupe de son appartement. Logique. Mais alors, sur ses clés, il n'y avait rien. Elle m'a donné un porte-clés vierge. Je suis tout du coup. Enfin, si, il y avait juste une converse. Mais c'est nul. Alors, du coup, j'ai décidé de lui faire un petit bijou pour mettre sur le porte-clés. Alors, pourquoi je suis partie là-dessus, j'en sais rien. J'ai voulu faire un cupcake. Moi. Mais oui, bah pourquoi pas. Puis bah voilà ce que ça a donné. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu ma fille qui a fêté son anniversaire et pour la toute première fois, on a invité toutes ses copines ici. Enfin toutes, non, elles étaient 7 et ça suffisait largement. Ah, j'ai cru que j'allais péter un plomb. Ouais, c'était un truc de fou, je suis pas prête de l'oublier cet anniversaire-là. Non. Bon bref, du coup j'ai fait plein de petits colliers aux copines. Et puis bah, j'en ai profité aussi pour le faire. Alors moi j'ai fait exactement les mêmes, enfin c'est la même technique, c'est juste la couleur et la forme qui change. Thank you.
pareil, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la fête de fin d'année, donc j'ai aussi fait des cadeaux aux maîtresses. Ouais. Et donc voilà, elles ont toutes eu un petit cadeau. Les maîtresses de l'année dernière, il y a 2 ans, tout le monde y est passé, puis les ATSEM aussi. Dans ce que je n'ai plus sous la main à vous présenter, c'est le cadeau de la fête des papas. J'ai fait un petit porte-clés à mon papa parce que il adore tout ça, tous les jeux de cartes, les dés, les machins, les bidules, les choses. C'est un peu un geek à l'ancienne en fait. C'est pas un geek jeu vidéo. Enfin si, quand même, il joue pas mal sur le PC. Enfin, mais il préfère tout ce qui est domino, dés, les jeux de cartes, enfin voilà, tout ça. Donc voilà, j'ai fait ce petit porte-clés là. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai sous la main. Donc toujours pour la fête des pères, j'en ai fait un pour mon chéri. Donc là je lui ai dit tu me le redonnes pour que je puisse faire la vidéo. Je lui redonnerai après. Donc je lui ai fait ses deux Marvel préférés, Hulk et Spider-Man. Bon, j'avais un peu la flemme de faire le personnage entier, donc j'ai juste fait la tête de Spider-Man, mais que je trouve un peu bizarre. Je suis pas fan du résultat. Et la main de Hulk qui m'a donné du fil à retordre. Oh là 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 là, je vous raconte pas comment j'ai galéré. J'ai posté le début sur Instagram et en fait j'ai jamais montré le résultat final parce que je déteste. Il est horrible. La main est horrible. Elle ressemble à rien. Mais il était content, donc bon bah c'est le principal, hein, mais moi j'aime pas du tout. Spider-Man, je pense que c'est les yeux qui chient. Fait pas beau, hein. Oh, il était content. Et votre porte-clé. Alors là je sais pas ce qui m'est passé par la tête aussi. J'ai pas fait comme d'habitude. Tout en rouge et vert. Alors normalement rouge et vert, je trouve que ça fait moche. Ça va pas ensemble le rouge et le vert. Puis bah ouais. Pourtant quand tu regardes bah, Spider-Man et Hulk, c'est pareil, c'est rouge et vert. Enfin bref. C'était censé être une framboise. La bonne blague. Ça ressemble pas du tout à une framboise. Limite on dirait plus une fraise quoi. Enfin je sais pas. Ouais, elle est très moche. Il y a une pomme. Okay. Ça va pas ensemble mais c'est pas grave. Là, un petit cœur avec des feuilles, et va savoir pourquoi, ça ressemble à du ou. Il n'y a rien qui correspond, tout va pas du tout, quoi. Là, j'ai voulu faire une rose, malheureusement, assez écrabouillée. Et derrière, il y a plein de petites feuilles qui l'entourent. Ouais, un porte-clés... À la bolée de Mr. Fly. J'adore Fin du Bosque. C'est pas mon préféré, mais je l'adore. Je passe au colis, il y a quasiment... À part quelques exceptions, mais il n'y a quasiment que des colliers, comme d'habitude, parce que j'adore les colliers. Donc dans une demi-sphère, il y a plein de petits papillons qui cachent un secret. Il veut pas me faire la macro ? Voilà. Il y a plein de petits papillons, enfin trois petits papillons qui cachent des petites pierres précieuses. Faut avoir l'esprit tordu, quoi. Hein ? On va dire ça comme ça. Et le noir, je l'ai texturé avec du papier d'alu. Voilà. Mais avec le noir, je trouve que ça ressort, les couleurs à l'intérieur, elles ressortent carrément. C'est ça que j'ai bien aimé. Je trouvais ça sympa. Voilà. Ensuite, là, j'ai ma petite lune avec une bouboule. Les fameuses bouboules. J'en ai refait plein encore cette fois-ci. Donc voilà, j'ai utilisé de la fimo argentée et de la feuille métallique argentée. Du coup, ça fait plein d'argent, ça fait bling bling, ça brille. Ce qui est kiffant avec la fimo argentée, c'est qu'il y a beaucoup de mica à l'intérieur. Et du coup, ça fait plein d'effets de couleur. Entre l'argenté, le mica de l'argenté et la feuille métallique argentée, ça fait plein d'argenté. Tous différents et du coup, ça fait trop kiffant. J'adore. C'est mignon, hein ? Mais j'aime bien. Elle est belle, ma petite. Oh là, pareil, va savoir ce qui m'a pris dans ma tête là. En plein printemps. Enfin, en plein été. Enfin, je me considère pas en été, mais encore au printemps, là. J'ai voulu faire une feuille d'automne. Pourquoi pas. Voilà, j'ai fait la petite feuille d'automne. Avec des plumes. Orange. J'aime pas l'orange. Mais bizarrement, l'automne, je trouve ça super joli. Pourtant, il y a beaucoup d'orange. J'aime pas l'orange.
Mais bon, ma saison préférée, c'est quand même le printemps. Bref, voilà, on s'en fout. Donc ouais, il y a la petite feuille, enfin le collier, et pour aller avec, il y a les boucles d'oreilles. Qui sont légèrement bombées. Elles sont réversibles. Ensuite, voilà. Une autre parure que je vais certainement garder pour moi, hein, tout comme le collier là, hein, justement, je l'ai gardé pour moi, celui-là, je l'ai trop kiffé, je non, c'est moi. S'il le faut ou si quelqu'un le veut, je recommencerai, hein, mais non, je le garde. Et donc là, c'est pareil, c'est mort, je le garde pour moi, j'ai trop kiffé les effets qu'il y a à l'intérieur, c'est trop trop bien, j'adore. Donc là, il y a le collier. Voilà, sur le collier, ça se voit beaucoup moins. Il y a... Donc j'ai fait ça encore une fois avec la Fimo translucide et de l'Easink. Il y a la bague. Sur la bague, ça se voit un peu mieux. On voit qu'il y a plusieurs nuances de vert. J'adore. Mais alors là où ça se remarque le plus. Oh là là. Oh, je les adore, elle, je te jure. C'est sur les boucles d'oreilles. C'est trop kiffant, j'adore. C'est rare quand je mets des bijoux verts, mais alors là je vais m'en mettre un malin plaisir de le faire. Elles sont bien translucides, bon, malheureusement là ça se voit pas, mais là je vois, enfin je vois pas à travers parce que bon, c'est quand même assez épais, mais tu vois qu'il y a de la transparence. Et ensuite il me reste plus que deux collections à vous montrer. Donc, et les deux collections, je vous les ai fait en tuto. Ouais, parce qu'il y en a une qu'on m'a beaucoup demandé et l'autre, bah, j'y suis allée au freestyle. Je fais bon, on verra si ça plaît ou pas. J'ai posté la photo sur Instagram et apparemment ça avait l'air de plaire, donc tant mieux, j'ai envie de te dire. Donc la première que je vous ai fait en tuto, c'est l'effet craquelé qu'on m'a beaucoup demandé sur, avec les Zinc. Donc du coup, ouais, je sais plus où j'en étais. Donc il y a celui-là que j'ai fait en pendentif. Donc c'est de la fimo argentée à l'arrière. J'ai texturé la semelle avec un tissu qui fait un peu dentelle. Enfin, c'est pas de la dentelle, mais ça fait comme de la dentelle. Et donc du coup, encore une fois, comme c'est de l'argent, il y a beaucoup de mica. Et ben au bout, ça fait des petits reflets, des petites taches, enfin je sais pas quoi. Enfin, c'est la fimo argentée qui fait ça, quoi. Et donc tout ça, c'est l'effet craquelé à les Zinc. Je vous ai fait le tuto, mais je sais pas du tout quand est-ce que je le mettrai en ligne. Il va falloir être patient. Et donc pareil, donc j'ai fait tous les colliers comme ça, et avec ce qui me restait, j'ai fait des bouboules, forcément. Donc là, c'est celui qui va avec celui-là. Les bouboules, c'est trop fort, c'est que tout ressort à mille fois plus que les autres pendentifs, quoi. Et moi, ça, tout ce qu'il y a dedans. C'est trop fort. Là, j'ai mis juste des petites chaînes, des petites pampilles, comme ça, quoi. Donc pour celui-là, j'ai utilisé les inks bleu, argent et blanc. J'ai mis la feuille métallique argentée et de la fimo argentée. Et il a des translucides et donc du coup, bah voilà, ça fait plein de petits reflets, plein de matières, plein de textures, plein de... Voilà, c'est trop fort, j'adore. J'adore un rouge. Mais il a un peu cramé à la cuisson. Enfin, il n'a pas apprécié la deuxième cuisson que j'y ai fait. Donc là, c'est pareil, à l'arrière, j'ai texturé comme l'autre. Ouais, normalement ça doit pas être jaunâtre, hein, ça doit être vraiment blanc, parce que j'ai pas utilisé de jaune. Alors, Donc du coup, voilà, il est un peu cramé. Bon, après ça peut faire un style, hein, si je dis rien. Moi je suis pas fan, mais bon. Voilà. En rouge. Et la petite bouboule, qui elle n'a pas cramé, donc on voit bien tout bien le rouge. Hein. Donc là, pareil sur le nid, j'ai utilisé de l'ink rouge, argent et blanc. Et de la feuille métallique argentée. Et de la translucide. Donc là, on voit tout. Tout doux. Bien, bien. Avec un petit barbillon. Et des petites perles rouges. En jaune et vert. Sur un fond de Sahara. Et là, c'est de la feuille métallique dorée cette fois-ci. Alors, je ne sais pas si ça va se voir. Et voilà, et donc il y en a un autre pendentif, enfin un autre collier comme ça. Encore des poils de chat, forcément. Donc pareil, toujours texturé à l'arrière.
Tout le monde avait la même texture, pas de jaloux. Là, tu vois. Et donc, avec ce qui me restait, ben, il ne me restait pas grand-chose. Donc, la bouboule, elle est toute petite. Mais les reflets, c'est pareil, encore une fois, regarde tout ce qu'il y a. C'est super. Voilà. Là, c'est de la chaîne dorée aussi. Et donc, pour finir, celui que je vous ai fait en tuto, c'est en bleu. Je sais qu'il y en a plein qui aiment le bleu. Moi, la première. Ouais, j'ai texturé pareil. Et donc là, c'est sur un fond turquoise. Enfin, moi, c'est la couleur menthe, mais pour moi, c'est du turquoise, quoi. Et j'ai utilisé les inks blanc, bleu, vert et argent. Enfin, ça, vous verrez pendant le tuto, de toute façon. Et la feuille métallique argentée, de la translucide. J'ai fait un autre pendentif, un autre collier. Là, on voit bien la, la feuille métal argentée, là, on la voit bien. Voilà. Et une bouboule. Et là, ça fait pareil que le mois dernier, ça ressemble à la terre grâce aux couleurs que j'ai utilisées. Bon, encore une fois, il faut avoir l'esprit tordu, quoi. Et toujours le petit papillon. J'aime les papillons. Voilà, bref. Et donc, le deuxième tuto que je vous ai fait, là, c'est pareil, j'ai fait une très très grande quantité de... Voilà. J'ai fait la canne kaléidoscope. Oh, il y a un pigeon juste là. Merde, il s'est barré, trop tard. Tant pis. Donc, moi, je vous ai fait la canne kaléidoscope. Et je vous ai fait deux tutos. Et donc, avec les cannes... Alors, j'ai plus de cannes, je les ai tous... Elles sont tous là, réunies dans les bijoux qui sont là devant mes yeux, que je vais vous présenter maintenant. Donc la toute première que j'ai faite, c'était un test de canne, donc j'ai utilisé que de la pâte Burke. Donc le résultat, moi j'aime pas du tout, il est pas beau. Donc du coup, j'ai juste fait ça, et je l'ai même pas monté parce que je n'aime pas. C'est avec de la pâte Burke. C'était juste un test pour voir ce que ça allait donner. Je suis bon, ça va. Donc du coup, après j'en ai fait un deuxième. J'ai fait celui-là. Avec un kaléidoscope, comme ça. Et là, j'ai fait un deuxième pendentif. Un deuxième collier. Alors là, par contre, je n'ai pas encore fait le semelle. Parce que, en fait, merde. Les bijoux, je les ai terminés hier à l'arrache, vite fait. Je les ai montés vite fait à l'arrache, comme ça, pour pouvoir vous les présenter comment ça va faire à la fin. Mais du coup, je vais tout le démonter pour pouvoir faire les semelles. Mais moi, je voulais vous montrer quand même. Pour vous montrer comment ça allait être, quoi, au final. Mais. Faut que je redémonte tout pour faire la semelle. On s'en fout, vas-y, laisse tomber. Donc voilà, bref, on s'en fait comme si j'avais rien dit. Ça, c'est la deuxième canne que j'avais réalisée. Voilà. Ensuite, la troisième canne, c'est celui-là. Donc là, c'est pareil, j'ai refait le même... Tu vois, je l'avais fini avant, donc du coup, j'avais pu faire la semelle. Il y a celui-là. Et... Il y a aussi le collier, mais alors je l'ai fait en bouboule le collier, mais du coup le motif il est carrément destroy quoi. Il est tordu, ça fait pas beau du coup. Ça fait un style, hein, mais bon, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Ah oui, il y a aussi la vague. Tout simple, hein, voilà. Et avec les restes de cette canne là, j'ai fait deux motifs différents. Donc j'ai fait le motif spirale. Donc là c'est pareil, il faut que je fasse la semelle à l'arrière parce que ça fait tout cradingue. Par là c'est plus joli. Voilà, la petite spirale comme ça. Et là je me suis servi du tuto de la sphère créative avec l'effet miroir. Pour faire un petit bracelet. Voilà. Ensuite la canne que j'ai faite après c'est... Là, voilà, en noir et blanc. Parce que jusqu'ici j'avais fait des trucs qui... pète à la gueule, enfin entre autres. Du coup là j'ai voulu rester soft en faisant juste noir et blanc. Et j'ai fait des petits trous à l'intérieur des pendentifs pour me servir de... pour mettre la chaîne ou le ruban à l'intérieur pour que ce soit plus simple quoi. Pour changer d'habitude. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, là c'est pareil, les semelles elles sont pas faites. Donc du coup à l'arrière c'est... Faut pas regarder.
Ah, c'était juste pour pouvoir vous montrer comme ça, quoi. Et du coup, là, juste après la vidéo, je vais tout refaire correctement. Ensuite, l'autre canne que j'ai faite, là, je crois que c'est celle que tout le monde a préférée sur Instagram. C'est sûr. Donc la plupart, enfin quand j'ai posté la photo sur Instagram, on m'a tous dit « Oh, ça fait penser au vitrail, au vitro !» Oh putain, je suis fatiguée. Puis, non, ma fille, elle m'a dit la même chose quand je lui ai montré les bijoux, elle me dit « On dirait les fenêtres dans les églises !» Ouais. Et voilà. Pourtant, les églises, elle y va pas souvent. Hein. Les seules fois où elle y va, c'est pour les mariages. Oh, puis j'avais des petites boucles d'oreilles. Après, il faut que je fasse la semelle. Voilà. Et ensuite, et de dernière, c'est celle que je vous ai fait en tuto. Donc la première, c'est celui-là, cette canne-là. Macro. Mise au point. Allô, allô. Ah, dis donc, c'est pas trop tôt. Voilà. Donc il y a le premier comme ça, avec un ruban violet. Et l'autre, c'est de la chaîne avec des petites perles violettes. Voilà, Birk. Et il y a là aussi la petite bague. Voilà. Et donc le dernier que je vous ai fait en tuto, donc là c'est une petite parure complètement dépareillée. Donc déjà là il y a le collier en forme, donc, logiquement c'est un carré, mais du coup je l'ai mis dans ce sens là, donc ça fait un peu un losange. Et je me suis servi d'un emporte-pièce triangle pour faire le. Bah, le trou, voilà. Et j'ai mis du ruban bleu ciel. Ouais, attention, regarde bien, le ruban est bleu ciel. Alors que pour le bracelet, c'est un bleu métallique. Et il est rond. Le pendentif est rond. Carré, rond. Et j'ai mis. C'est du fil élastique. Il est tout élastique. Et du coup, pour faire tenir l'élastique, parce qu'en fait, j'ai juste fait des nœuds coulissants à l'intérieur, j'ai mis des petites perles à écraser. Je vais y arriver. Voilà. Et donc, la bague. Donc là, les motifs, ils étaient ronds. Et la bague, les motifs sont carrés. Et la bague est en amande. Ouais. Tout était pareil, mais assorti quand même. Bref, voilà. Voilà. Bref, voilà tout ce que j'ai fait au mois de juin. Elle est pas belle la vie, encore une vidéo longue. Ouais, j'arriverai jamais à faire de vidéo courte, c'est pas possible. Donc ouais, j'en ai fini avec cette vidéo là. Si vous voulez d'autres tutos mis à part, bah, l'effet craquelé que je vous ai déjà fait et la kaléidoscope que je vous ai déjà fait aussi, mais que je ne sais pas quand est-ce que je mettrai en ligne. Et je vais sûrement mettre le tuto sur les deux chaînes, comme ça c'est sûr, au moins tout le monde pourra le voir. Hein, parce qu'il y en a qui sont abonnés ici mais qui sont pas abonnés à l'autre et vice versa. Non, qu'est-ce que je voulais, je sais pas. Il y avait un autre truc que je voulais dire, mais je sais plus ce que c'est. Et je regarde la pluie qui tombe. C'est passionnant. Je mets le moral dans les chaussettes. Bon bref, bah voilà, si j'ai autre chose à dire, bah je ferai une autre vidéo à part, une vidéo blabla. Mais je sais plus ce que je voulais dire, donc ouais, on verra bien. Bon, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.